Et c'est sous le regard bienveillant de notre Seigneur que nous nous retrouvons à nouveau, mes frères et sœurs. Oh, c'est magnifique, je fais de la poésie. Oh, j'ai l'inspiration divine, et oui, car Dieu existe, mes frères et sœurs. Dieu existe, regardez, il est là. Il est là-haut, la lumière est allumée chez lui, ça se voit. Il nous regarde. Dieu aussi, tu nous regardes. Nous aussi, on te regarde. C'est juste que, contrairement à toi, nous, on ne voit pas. Voilà. Et... Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était? Cesse de répéter ce que je dis, frère Spock, ce n'est que moi qui parle. Et donc, nous sommes de nouveau réunis pour nous entretenir de la suite des événements dans le Sir Patrick Galloway et le témoin direct en le monastère de l'Ordre de l'Entaille. Voilà, on va rester dans le mythos Clive Barkeresque. Et nous, visiblement, nous continuons à buter du hurleur au canon du Tibet et à l'ectoplasme. Ça rappelle un peu Tintin avec canon Tibet, Tintin au Tibet. Ouh, attention. Il est où le monsieur? Jean-Luc? Ouais, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le monsieur, il est plus là. Ouais, attends, va voir, dégage, que je regarde. Ah, il est plus là. Ah, il est plus là non plus. Putain, qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Oh, il est là. Putain, il fait même les dialogues, hein, c'est génial, hein, vous avez vu. Ça se passe deux mots, c'est pas la peine, c'est moi qui les rajoute. Hop, oula, par contre j'ai pris une méchante baffe. Mais ce n'est pas grave, la justice de Dieu s'est abattue sur eux, telle la pluie sur un champ de maïs, un jour de canicule. Oh la vache, j'ai la fibre lyrique aujourd'hui. Bref, allez, on va être un peu sérieux, nous sommes donc de nouveau réunis. C'est le... Non. Quatrième vidéo de ce let's play consacré à Clive Barker Undying, et nous allons d'abord commencer par dire bonjour à Lisbeth. Enfin, on a un peu commencé tout à l'heure, mais bon. Qui ose s'introduire dans mon royaume? Faudrait te laver les pieds quand même, hein. Et les mains aussi. Enfin, il faudrait qu'elle lave tout, hein. Parce que quand on voit la robe... Oula. Le monastère, donc, qui est un élément central du jeu, et accessoirement un des endroits les plus fascinants de mon humble avis. Vraiment, voilà, c'est là on est dans le monastère en ruine. C'est très très beau, je trouve, encore pour l'époque, hein, c'était très très chouette, c'était très très joli. Et l'ambiance est au rendez-vous, hein, vous voyez, hein, y a pas de souci, c'est vraiment un très bel endroit. Et c'est un endroit que nous allons visiter en deux fois. Donc là, nous en sommes à visiter les ruines, mais nous allons avoir l'occasion de retourner dans le passé pour le visiter. Je crois pas que c'est là qu'il faut aller. Voilà, c'est là. C'est pour aller le visiter au moment où il était intact. Oui, oui, sérieux. Hein, c'est-à-dire vraiment intact, bien reconstruit et occupé. Donc on va carrément remonter dans le Moyen-Âge. Et je peux vous dire qu'on va buter du moine. Hop, là il y a un... Hop. Amplificateur, oui, ça y est, je crois me souvenir. Il est coincé dans la cheminée. Eh ben, on va aller chercher ça bien gentiment. Donc voilà, donc là les prochaines vidéos, enfin je pense pas qu'il y en aura beaucoup, hein, ça se trouve avec celle-là déjà, on va peut-être pouvoir accéder. J'en doute, hein, parce que je me souviens plus trop du cheminement, mais voilà, ça devrait peut-être prendre deux vidéos, voire trois vidéos maximum. Voilà, estimation à prendre avec des pincettes, hein, c'est comme les sondages en politique. Nous allons donc nous consacrer à rechercher le moyen d'accéder au monastère dans le passé. Pour cela, il faut déjà accéder au souterrain. Et pour accéder au souterrain, il nous faut de la dynamite. Là. Oh. Ah. Frère Flegmont qui est ici. Oula. Et visiblement, le pauvre, hein, vous avez vu ce qu'il se tape comme ligne. Hein. C'est pas du Bultex, hein. Ça me rappelle quand j'ai fait des fouilles archéologiques, pas très loin de chez moi. On avait débusqué un moine dans une église. Enfin, un moine dans une église, on dirait, hein. Voilà, ça fait ton sur ton. On en avait déterré un, pour être plus précis, du moins ses restes. Et il avait une sacrée scoliose, hein. Je peux vous dire, vu la gueule du dos, ouf. Et ben, quand on voit dans Clive Barker Undying sur quoi les moines dorment, et ben, je peux vous dire que... Sur quoi les moines dorment, pour être correct avec la grammaire, on peut dire qu'effectivement il y a... Oh la vache, ça c'est méchant. Hop, n'importe quoi. Bon bah écoute, hein, merci le sol. Bref, je vais remonter parce que je crois que j'avais vu une autre vision là, mais on a la dynamite, ça c'est sûr. Je vous remonte vite, voilà. Il y a aussi, je vais pas remonter. Ah oui, il y a frère Flegmont et frère Verruf qui sont en train de discuter. Ah non, frère Flegmont il est là-bas, ça c'est frère Fistule ça.
frères Fistule et frères Verru qui sont en train de discourir sur, on va peut-être dire, le commerce des indulgences ou des choses comme ça. Bref, l'actualité de l'époque. Oui, parce que ce sont des visions du passé que nous avons là. Bon, ici nous avons eu ce que nous voulions. On a la dynamite, donc techniquement on a la possibilité de progresser pour la suite des événements, mais je vais continuer quand même à explorer un petit peu le monastère. Oh putain! Attendez, je crois comprendre. Oui, voilà. C'est ça, c'est marrant. La boucle est bouclée, vous voyez. Hop, le squelette, vous voyez maintenant d'où il vient. Par contre, je vais peut-être. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, bonjour chérie. Oh, salope. Ouais. Non, c'est pas la peine. Oh putain, elle est balèze, hein. Elle a été élevée au banania. Alors, Lisbeth va se charger de vous provoquer à plusieurs reprises, hein, donc vous n'en tenez pas compte. Je le répète, il est inutile de vous acharner sur elle. C'est de la perte de temps, au pire de la perte de munitions et de vie. Puisqu'elle est dans l'immédiat invincible. Vous inquiétez pas. Oula, voilà. On aura l'occasion d'aller lui torchonner la gueule dans les grandes largeurs. Mais c'est pas pour tout de suite. Il faut déjà récupérer la fameuse faux du Celte dont nous avions entendu parler la dernière fois. Bon. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Le puits. Il y a une grille, il me semble, dessus. Oui. Bon, bah, c'est pas. Allez! On va revenir en arrière. Et là, je crois que la porte était verrouillée. Ouais. Eh ben, allez, hop, on revient en arrière. Toc. Je vais reprendre mon ectoplasme. Zouf. Oula. Oh, putain. Ah, mais ça, c'est salaud. Ah, bah, tenez, vous en profitez. Hop, pour voir une des animations de mort. Voilà. Mais là, pour le coup, c'est quand même salaud. Hein. Foutre un hurleur au moment où vous repassez dans une autre zone, c'est quand même assez bizarre. Ce qui me fait penser que je vais peut-être rajouter un petit coup de soin. Ouais, parce que comme vous avez pu le constater, je sais plus si dans une autre vidéo, une des vidéos précédentes, il y avait déjà une animation de mort, mais voilà, vous avez vu celle-là. Il y en a pour la plupart des ennemis. Hein. Bon. Alors nous, ce qui nous intéresse, mais aussi, c'est d'aller ici. Alors, la dynamite est considérée comme un objet. Tenez, oui, voilà. Oui. Voilà, les chambres secrètes des rites du monastère. La dynamite n'est pas considérée comme une arme, mais comme un objet. Donc c'est assez surprenant. Mais voilà, faut faire avec. Merde, je fais des bêtises, excusez-moi. Voilà, donc vite on s'éloigne, parce que... Hein... Voilà. Et là, je reprends... Tenez, tant qu'à faire d'ailleurs, je pense que je vais coller... Voilà, mes ectoplasmes au maximum. Hein. Comme ça, au moins, on sera bien calé. C'est bon là? Voilà, ça y est. Souterrain donc. Allez. Ouh. Oh, joli ça. Merci. Oh, coincé. Oh, glauquissime. Meurs, chauve-souris démoniaque. Ah, look around. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, je me souviens. C'est frère Panari là qui fait le tour, lui bon il voilà, il fait juste les 100 pas hein, donc ça sert à rien de le suivre. Voilà. Première chose dont il faut se méfier dans ce jeu, c'est les squelettes. Quand vous avez un squelette au sol, il est potentiellement capable de se relever et de vous faire chier. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Coincé. Ici, c'est verrouillette. Là. Coincé. Là. Ah, là, ici. Non, 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 non. Et là, je crois que nous revenons. Oui, là, bon.
Ça, c'est des grilles qui sont fermées. Oui. Ça ne bouge ces pas. Ces portes-là sont fermées. Bien, allez. On va donc continuer notre route et c'est ici que ça nous amène. Oh là là. Hop, allez. Cela, à mon avis. Oh la vache. Bien. Voilà. Ça va, ils ont pas posé trop de problèmes. On ramasse à nouveau de la dynamite. Un petit cocktail Molotov. Ah, je crois que je suis plein. Oui. Alors, en haut. Ah, amplificateur. Alors, j'entends que c'est en haut. Ah oui, c'est le passage où les... Voilà, où les planches se détachent, c'est assez chiant. Voilà, bon. Il me semble qu'il n'y a rien par là-bas. Hein. Attendez, je vais revérifier. Attendez. J'ai entendu un look around, mais bon. Apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir de vision. Ah si! Si si, tenez, regardez. Tout bêtement. Hé hé. Voilà. J'avais... Je crois que c'est une découverte parce que je ne me rappelle absolument pas de ça. Donc du coup, et ben voilà, je viens très probablement de découvrir quelque chose de nouveau. Des années après, c'est toujours une petite satisfaction de se dire que ben voilà, il restait quelque chose à voir. Bon là c'était plus par manque d'attention de ma part, je pense. Soyez toujours vigilants ou le Undying King marchera sur terre à nouveau. Oh là là. Ça va chier les bulles les enfants. Bon. C'est... Là, on est ici. Il y a du hurleur. Bloqué. Là, ici, qu'est-ce qu'il y a de beau? Il n'y a rien. Hurleur, 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 hurleur. Putain. Dans vos gueules. Les balles, je crois que je suis plein. Ouais. Ouais. Ah, il y en a encore. Là, il y a... Mais je crois que c'est pas la peine d'y aller. Oula. Que je saurai mes arrières parce que comme ils viennent de partout ces fumiers. En plus je crois qu'il y a un flot ininterrompu ici hein. Donc on peut en buter autant qu'on veut. Il en viendra toujours à l'appel. Donc faut que je trouve par où sortir là. C'est surtout ça. Voilà, ça doit être là. Bingo. Voilà. Ouh. Ça ne bouge pas. Ici c'est bloqué. Ça ne bouge pas. C'est à nouveau bloqué. Alors, voyons voir où on est. Voilà. Si je vais par là. Ah, il y a des trucs à faire par ici. Ah, je crois me souvenir. J'avais fait le jeu en difficulté maximale. Je crois me souvenir que ce passage était absolument infect. Alors, j'espère que... Dans la difficulté que j'ai mise, ça sera plus négociable. En plus, il n'y a plus de musique. Ah si, il y a un petit peu de son ambiance. Ah. Voilà frère... Voilà frère Arthur de l'ordre de l'ongle incarné qui s'avance. J'aimerais bien voir où il en est, mais le souci c'est qu'avec
y a apparemment... Qu'est-ce qui se passe là? Ils sont en train de rechercher des trucs visiblement. Ah, il me suit le fumier! Ah la vache, c'est glauque ça! Eh oui! Voilà, vous voyez, là aussi il y a un flot incessant de hurleurs, donc c'est assez pénible. Oui, 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 oui. Bon, bref. On va continuer parce que là, si on passe deux plombs, à savoir ce qu'ils volent. Mais voilà, c'est assez, assez glauque quand même, hein. Une vision du passé vous rentre comme ça, quoi. Comme si vous étiez présent. Ça, ça sent le squelette qui va se relever, ça. Tous les coups. Oh, là, le méchant. Ah, merde. Bon. Allez, c'est pas grave. Bon, on va faire attention. Bon, on a vu Frère Arthur de l'Angle Incarné et l'abbé... La béchamel, voilà, on va l'appeler comme ça, hein. Bon, il y a une espèce de bug, les pierres sont collantes, voilà. La béchamel et Frère Arthur de l'Ordre de l'Ongle Incarné. On se craillera un peu plus tard, hein. C'est quoi ce bruit là de splash? J'ai entendu un gros splash. Ah, c'est les... Oui, c'est les ectoplasmes qui visiblement s'écrasent sur le mur avec un vent. Un gros bruit de citrouille. Oui, c'est ça. Ouais, à peu près. Le son réagit un peu bizarrement. Hein. Voilà! Dans vos gueules! Voilà. Donc, Kellus Constantine. Oh! Un rapport avec John du même nom. Tenez. Incantation du temps et une clé en argent. Donc, voilà. Ah, ici, c'était chiant, je peux vous dire, en mode cauchemar. Hein. Alors. Du coup, ils sont où, nos frères, là? Je vais essayer de revoir. Vite fait. Non, ils sont plus là. Je pense qu'ils ont fini de me hanter, là. Bon, ben, nous avons récupéré ce qu'il fallait, donc nous pouvons revenir à côté. Hop. Prends ça dans ta gueule. Hop. Sortir les ectoplasmes, là. Ah bah tenez, nos amis les squelettes. Ça faisait longtemps. Enfin, ça va nous changer des hurleurs. Putain, t'es resté tout seul dans ton coin ici, là. Ouais, forcément, les catacombes. Ah oui. Ah là 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 là. Marie. Mon petit Jean-Mimi. Je pense que là... Allez. Je me suis dit que là, vraiment... Ah, puis là, je sens que c'est aussi le coup du flot incessant. Ça ne bouge pas. Puis là, même si j'ai monté le truc au max, hein, quand même... Bon, ça va être un petit peu complexe. Bloqué. À moins que, effectivement... Non, apparemment. Non, non, ils reviennent ad vitam aeternam. Hein. Coincé. Hop. Voilà, clé d'argent. Ouf. Voilà. Ah, quel bordel. Bon. Bon, j'ai sacrifié tous mes autres ectoplasmes pour ça, mais bon, écoutez, hein, c'est peut-être ça qui m'a évité de me prendre des vestes.
Ah putain, elles attaquent ces saloperies. Voilà. Par terre. Va te faire voir chez Batman. Oh putain, c'est quoi ça? Ah bah les hurleurs. Ah bah ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu. On commence à s'inquiéter les gars. Bon, là va falloir faire un petit peu gaffe. Boum. Et encore. Ah. Il y a un grillon qui a mis l'alarme de son réveil là. Ah, salope. Saleté. Comme elle virevolte dans tous les sens, en plus c'est que les ectoplasmes ne sont pas d'une précision aberrante. Oh putain, 6 points de vie là. Il faut que je fasse attention à mes soins quand même. Hein. Il me reste combien de packs de soins? Il m'en reste 6. Ça va, mais c'est pas non plus la rue Michel. Hein. Ah bah tenez, 7 avec celui-là. Mec, il dispose des packs de soins comme ça, au hasard, tiens. C'est pratique. Ah! Oh putain! Ah! Ah, 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 ah. Hélas! To be or not to be. Là, c'est plutôt to be or not to be là que j'aurais eu besoin. Non. Sûrement pas. Oh putain, alors celle-là, elles l'ont ramassée dans la gueule. Sauvegarder un petit coup quand même. Voilà. Et des cartouches au phosphore. C'est des cartouches de fusil à pompe, mais qui brûlent. Ah. Oh. Frère Calvici. Non, c'est l'abbé Calvici, voilà. On va l'appeler l'abbé Calvici, hein. Oh là, ça sent le squelette. Voilà la clé. C'est de quoi donc il est question pour la suite que voilà, il faut faire. Donc on va essayer de pousser au risque peut-être de dépasser. On risque peut-être de dépasser la durée de la vidéo. On va essayer de pousser jusqu'à. Jusqu'au monastère du passé. En espérant que ça va pas trop déborder. Généralement, je me fixe une limite de 30 minutes. Mais bon, allez. On peut faire des exceptions des fois. Oh putain! Aïe, ouais. Je sens qu'un petit, peut-être qu'un petit coup dans tes visions serait pas mal. Tenez, regardez, qu'est-ce que je disais. Oh, 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 oh putain. Allez. Dingue. Oh. Bonjour. Encore du pack de soins, ça c'est bien. On a pas fini d'en consommer les gars. À terre, sac à os. Alors, il faut que je me repère dans ce dernier.
Bonjour. Voilà, par ici. Ça rappelle un petit peu la salle de tout à l'heure, où on avait vu les deux frères qui étaient en train de me suivre, là, de façon un peu chelou. Là, un petit pack de soins. Les amis, les hurleurs. Chaud, hein. On est encore, voilà, on retrouve à nouveau des ruines. Et bah tenez, regardez où on est au niveau de là où se trouvait Lisbeth. Ah. C'était notre ami frère allergique. Voilà, vous savez bien qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait. Pris la clé du monastère. Et j'ai pris un autre truc, je sais pas ce que c'est. Alors attendez, bah... flaque de mercure, oui voilà, incantation du temps et médaillon solaire, c'est bon, on a tout. On est normalement bon pour pouvoir faire l'incantation qui nous permettra... d'accéder au monastère du passé. Hop, on descend. On va passer par ici, là. Je pense que c'est le chemin à suivre, de toute façon. Loi dingue. À nouveau dans un putain de souterrain. Putain, qu'est-ce qu'on en bouffe ici? Bloqué. C'est effarant. C'est les balles, ouais, je vais. Ouais, je pense que je vais limite les ignorer désormais parce que de toute façon je suis plein. Qui est-ce? Jérémia? Non! C'est un intrus! Elle a un côté Marge Simpson dans la voix quand elle s'est... Genre Marge Simpson avec une grosse extension de voix et quand elle est passablement énervée. C'est mignon. Bloqué. Rassurez-vous, si elle vous énerve, je vous l'ai dit, on ira la buter. Bloqué. Hop. Oh, oh. Brume. Effet de brouillard, là tout de suite. Ah! Allez. Petit côté jumpscare. Ah! Ça. Putain. Problème du canon du Tibet. Indépendamment de sa puissance, c'est véritablement la cadence de tir. Enfin, je pourrais tirer plus vite, hein. Bon, déjà, vous voyez, c'est pas génial, mais c'est vraiment qu'en plus je charge les tirs pour que ça inflige le plus de dégâts possible. Voilà, ce qui prête pas forcément à une efficacité. Oula. Ouah. Oh la vache, 3 mandales dans la gueule. Ah ouais, non mais là, c'était pas la peine. Ouais, là, c'était... Ouais, c'était mal boulé, là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un moyen? Je crois que c'est une échelle, ça. Oui, alors, ce qu'on va faire... Hein, on va les dire. Voilà. On va faire un peu la fiotte, mais tant pis. Oh, merde, c'est vrai que...
Ils sont en train de se battre en plus, on dirait. Ouais, ils sont en train de se battre, c'est parfait. On fait comme dans Doom, un petit coup de Monster in Fighting. Ah oui, en plus c'est vrai qu'à haut niveau, les ectoplasmes peuvent effectivement traverser les murs. Donc, ce qui est pratique. Oula, je suis haut. Ok, bon. J'ai mal négocié mon coup. Voilà ce qu'on va faire comme ça, on sauvegarde. De toute façon, on est obligé de faire. Putain, c'est du sport, hein. Prendre le risque de sauvegarder un petit coup. Il en reste plus qu'un, je pense, ouais. C'est le plus dangereux, forcément. Voilà! Du coup, par là ou par en haut? On va peut-être essayer de voir ce qu'il y a en haut. Ouais, je vois où on est. Ah, merde! Ah, le con. Oui, je me permets quand même de... Voilà. On pute vite fait, lui. Désolé, hein, je pensais pas que ça allait faire un écran de chargement, pour le coup. Ouais, bah tout ça pour des cocktails Molotov que j'ai déjà, en plus, voilà, je vous ai fait faire ça pour rien. Bon, allez, c'est pas grave, hein, mais bon, on n'est jamais trop sûr, hein. Oui, par contre, faut pas que j'oublie la trousse de soins. Voilà. Là, cette fois-ci, on est bon. Et nous avons accès à l'extérieur. Et regardez, c'est très très beau à nouveau. Satan est parmi nous. Satan, t'es là ? Seigneur, protège-moi. Voilà. Là, c'est la nef. Du moins, Seigneur, la partie cathédrale. Je suis ton serviteur. Hop là ! Donc avec des moines fantômes qui courent un peu partout. Petite exploration rapide et puis nous allons faire l'incantation. Enfin, c'est rien d'extraordinaire en termes d'animation ou de cinématique, mais ça nous permettra de libérer l'accès au monastère du passé, où nous allons pouvoir trouver la faux du Celte. Hop. Toujours aussi beau, hein. Alors par ici, je crois qu'il y a des petites choses à nouveau. Je vais m'armer parce qu'on s'est jamais trop sûr. Pack de soins, non, c'est bon. Il me semblait qu'il y avait un petit peu plus de choses à voir quand même, mais apparemment non. Ah bah, on était là tout à l'heure. On était là. Je crois reconnaître l'endroit, oui. Alors en fait, tout ce qu'on aurait pu faire, vous voyez, c'est de grimper ici et de venir là. Et en fait, on s'est retapé des souterrains et des machins à la con. Enfin bon, ça nous aura permis de découvrir les autres trucs nécessaires pour l'incantation. Mais quand même, ça fait mal au cul. Je vais aller voir ça. Parce qu'il y a peut-être des choses là-bas. Hein. Ils planquent toujours un peu des trucs dans des endroits complètement biscornus. Tarabiscornus, je devrais plutôt dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Non. Bon bah là non, c'est bien barré. Bon, allez, trêve d'exploration. On va maintenant placer les trois artefacts sur les autels qui se trouvent ici, comme vous pouvez le constater, qui entourent, ou du moins voilà, qui. Oui bah qui entourent, on va dire, hein, à peu de choses près. Cette petite étendue d'eau. Donc là, hop, flasque de mercure, pas de soucis. Ça s'ajoute automatiquement. Je crois, hein. Allô ? Voilà, le médaillon solaire. La médaillon solaire, hein. Oui. Et voilà. Et voilà. Vous voyez, tout de suite, la gueule du monastère qui apparaît tel que le passé. Voilà. Bon,
Petite faute d'orthographe, hein, la médaille solaire. Alors bon, il se pourrait que ce soit une petite erreur. Comme je vous ai dit, j'ai bidouillé un peu les fichiers de traduction. Mais bon, parce qu'à la base, le jeu est en anglais. Pas grave, ça arrive. Et nous voilà arrivés au monastère du passé. Et c'est ici que nous allons donc arrêter la vidéo. Nous continuerons ce let's play sur Clive Barker Undying dans le monastère reconstitué. L'occasion à nouveau encore d'un bon bol d'ambiance bien carabiné. Ça va être le nom de la rose version gore. Et pour voir ça, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Gaming Gangway.